Oh là là, attendez, avant les blagues. Oh là là, il faut bien choisir. Qu'est-ce qui a gagné? C'est Caitlyn. Oh là, Caitlyn. Oh, Caitlyn, t'as gagné. Caitlyn, tu es mienne. Bah oui. Petit canari, t'es mignonne. Prends Graves, là. Qu'est-ce que tu fais? Graves tire, tu prends. Pourquoi Caitlyn? Parce que j'ai décidé que ce serait Caitlyn, l'élu. C'est mamie qui a ça à moi. Caitlyn devient Kayle. Fais des tours de terrain. Pourquoi tu veux... Ok, d'accord. Alors, on en fait un. Échauffement. Plus vite! Oh. Un petit deuxième, mais vraiment parce que c'est le matin. Décrassage. Le midi. Après. En pas chassé, s'il te plaît. Ça devient trop dur, lui. Je suis désolé. En fait, il faut que je décide si je fais Runan ou Bang Bros là maintenant. Sachant que j'ai déjà Caitlyn et deux Vanguard, je vais rajouter sûrement un Shen, je pense pas. J'aimerais bien, je vais rajouter le Shen là. C'est quoi la galaxie? C'est amas d'étoiles. En gros, dans tous les carousels, il y a des champions de 2 ou 3 costes. Bon, ok, c'est clairement. Putain, j'ai envie de jouer aussi l'autre là. Putain, j'ai envie de jouer aussi. Est-ce que je fais QSS sur Runan? Putain, c'est chiant comme choix là. C'est un choix important. QSS Runan. Une petite dernière, ça s'agit. QSS, t'enferme moins. C'est vrai. C'est un très bon point d'ailleurs. Mais là, je suis quand même un peu destiné à jouer Dark Star. Là. Personne. Mais je vais pas prendre ça. Sasa yayo, Sasa yayo. Pa 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 la ro. Sasa yayo. Ce moment-là est fou, hein. Jarvan ne met pas son flag là, ça m'emmerde. Okay.
Sasageyo, Sasageyo. Là il met son flag. Je baigne Yasuo, je baigne Yasuo, qu'est-ce qu'elle dit ça? Non ça. Oh là là, mais cette musique, putain. Mecha avec Titan? Non. On arrête de jouer Mecha, c'est de la merde. Mecha, il faut Iron Man. Hein. Ah, c'est de Koro Bizarre, d'accord, ok. J'ai pas fait gaffe. Il y a une spatule. Arcus Spatule, t'as fait Infiltrator. M'intéresse pas. Donc là, il y a des champions de cost à prendre en compte quand même. Celui qui a Lucian Gant 2, il est content en cybernétique. Hein. Le mieux pour moi ce serait. Soit je. Je prends la ceinture de Kai'Sa, mais je veux la Négatron d'Annie, je pense. T'as fait chier parce que je vais devoir vendre Annie. Est-ce que je peux la rentrer, Annie? Pourquoi, hein. Donc là, en gros, dans cette galaxie, vous l'avez compris, il n'y a que des deux cost. Donc là, il y avait Blitz 2, Yasuo 2, Sona 2, etc. Et le truc, c'est que là, j'ai envie de rentrer une Annie 2, plutôt que de la vendre, mettre une Anne et Chrono. Je pense, hein. C'est quand même un champion niveau 2, quoi. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais ça et Runan, ou est-ce que je rentre Annie Naken? Je pense que je fais Runan, hein. Parce qu'en plus, je peux économiser avec cette Annie. Annie ça pue, bah, je pense pas tant que ça. Hein. Non, je pense pas en vrai. Regardez. C'est deux cosses quand même. Ouais, bon, Annie Naked, je crois. C'est pas mauvais, Annie. Hein. Je sais pas pourquoi vous dites qu'Annie c'est nul, mais Annie en early mid game, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, mais c'est pas mauvais. Dans une compo sorcier, c'est pas mauvais. C'est le pire cost 2. C'est pas ouf, c'est vrai. Est-ce qu'on gagne ce rune? Est-ce qu'avec l'ulti ça suffit? Elle tank pas, non? Après, en fait, je pouvais pas économiser avec Annie. Elle me coûte cher. Il y a des chances que je rencontre ce mec là, mais je sais pas si je gagne avec Runan et Chrono. Peut-être ça c'est mieux. Hein. Il y a un joueur de Darkstar déjà. Bon, ça c'est mieux, ouais. Ah putain, elle a été exposée. Pierre Cole, Jarvan était pas mal. Ouais, c'est pas vrai. Fuck, bon, là c'est. Le problème c'est que sa Caitlyn a tué ma Caitlyn, donc je perds le match-up. Oh attends, Attack on Titans, on l'aime bien, mais pas 20 fois. On va remettre ça. Je remets la même playlist que tout à l'heure. Kassadin. Kassadin, il faut H, ça vient. Dommage qu'on ait perdu ce rune, c'était le plus important. Bon là, Annie commence à coûter cher. Kassadin va rentrer dès que j'ai H. Faudrait H, ouais. H sera le top pick pour moi. Donc il y a un joueur Darkstar, un joueur Sorcier Vel'Koz, un joueur Blade Master. Cool ça. Bon, du coup, on va rejouer comme ça. Et peut-être que je rentre Annie. Coûte cher là. Je sais pas ce que je fais avec cette Annie Négatron. Parce que là, je pourrais avoir Runan. Mais est-ce que Runan c'est si bien que ça?
quel rank est le Smurf? On est. On est. On est master 40 points. Ouais, ma compo commence à être très weak, j'arrive pas à avoir d'amélioration alors que les gens en face ont eu des level 2 vraiment intéressants. Par exemple, lui il avait pas Graves, il a Graves 2, c'est pour ça que je perds le rune. La Lux me plaît bien. On est bien de la garder. Je vais écho de rune maintenant. Je suis pas bien. À part si j'ai H Kassadin, mais. J'aimerais bien avoir Mordekaiser aussi. Et moi j'aime bien Annie en vrai, vous êtes méchant avec Annie. Pas cool. On a une Karma. Là on va commencer à la garder je pense. Ah, je serais tellement bien putain. Ça me coûte pas très cher de push, je peux rentrer une Lux, meilleur rôle. Je pourrais pas économiser dans tous les cas. Dans le faire. On est pas très strong là en vrai. Battu par une petite fille. Regarde les dégâts de Runan, regarde justement de Kaiser les dégâts de Runan. On le voit même plus. Après il a 4 Vanguard, ok bon j'ai rien dit, ça compte pas. Le K 4 Vanguard en mid game il est pas cool. Parce que t'as pas beaucoup de dégâts. Hein. Peut-être Lux avec une bonne cage. Tellement fort qu'il y a Dwangwan, putain. Pourquoi Ibzu est devenu une petite légende? Parce qu'elle est mignonne cette petite légende. Petit canari. Mordekaiser. Ça c'est bien. Ça on a Free et Darkstar. Je crois qu'il y a un joueur de Darkstar. J'espère qu'il y en a deux, ça me dérange pas. Ouais, il y en a un, c'est lui. Et encore en vrai, j'ai l'impression qu'il garde des Kay là. Peut-être en solo Darkstar. Quand tu joues 4 Vanguard, tu peux aussi tendre vers Darkstar. En fait, Kayle et Darkstar, ça se ressemble un peu. Là, je suis bien. En vrai, je suis bien là. Je vais économiser les 3 prochains runes. Même les 4 prochains runes, peut-être. Et on va avancer. Là, je veux que ce soit Ange Gardien. Donc, ça m'arrange de perdre des runes en vrai. Lui, c'est le dernier à l'heure actuelle. Oh, la Cage de Luxe. Pour gagner, il nous aurait fallu H là. En vrai, c'est vachement bien d'avoir perdu ce round. Parce que je suis dernier au carousel, je suis en chain lose. Je peux peut-être avoir une BF s'il prend pas trop cher lui. Nice. Alors, si j'ai pas BF, je prends un gant, je pense. Nice ça, c'est trop bien d'avoir perdu. Parfait, je prends la seule BF, 4 cost en plus. Après, là, vous avez vu, il y a des. Il y a Jace 2, il y a Syndra 2, il y a Maître Yi 2. Si t'en as besoin pour ta compo, c'est fat. Hein. Mais bon, moi j'ai vraiment besoin d'une BF. Donc pour l'instant, j'ai pas trop joué avec les pouvoirs de cette galaxie. Il y avait aussi Annie 2, c'est vrai. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trop plu. Alors il faut que je check un petit peu. C'est lui qui avait l'air de peut-être jouer Darkstar, mais je crois pas. Ça, c'est très bien. On a une Kayle. Est-ce qu'il y a un moment où je la rentre Kayle? Là je perds Chrono Sorcier, je peux pas rentrer Blade Master. Non je crois pas. Non là je suis ok, je vais perdre des runes, on va démarrer à 50 gold la game. 50 PV pardon. Kayle c'est fort, ouais c'est fort mais. Je pense pas la changer contre Caitlyn. Parce que genre si j'ai pas de Jhin et que j'ai une random H qui arrive, c'est plutôt cool. Hein. Mais là on est très weak devant malheureusement. Mais je peux rien y faire. Là on joue contre des gens qui ont reroll. J'ai juste perdu beaucoup d'HP. Donc... Mais j'ai énormément d'argent en échange. Donc... C'est pas ouf mais je vois pas comment je bats ça en fait. C'est Runan, c'est de la merde en vrai. Caitlyn c'est weak. Non, Caitlyn c'est vachement fort. Mais sans sniper...
Et avec une frontline aussi nulle, ça marche pas. Parce que Jarvan, c'est pas une frontline. Ça, c'est pas une frontline. Ça, c'est level 1. Il y a que Léonore, ouais. Mais là, j'ai rien. J'ai. Si t'enlèves ça, et ma compo, c'est ça. C'est pas grave, j'accepte de perdre un dernier round. Je vais roll par contre Vénère pour remonter mes HP. Faut que. Bah là, je suis pas loin d'avoir 6 Darkstar. Il faut juste Jean, Karma, Shaco et une H. Dès que j'ai ça, je garde les Cassadin. C'est pas grave. Merde, Jarvan doit être là. Le but du jeu, c'est d'avoir des HP et pas des gold. MDR, ça marche. Dark Ronan. MDR. T'as pas de tort dans ce que tu dis. Tu marques un point MDR. Bon allez, là on va stab du coup. On va avoir beaucoup d'argent. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Qui est-ce qui dégage déjà? Du coup j'ai cassé l'un d'eux, donc peut-être que je vais pas rentrer H. On jouera sans sniper du coup. Qui est-ce qui dégage? Mais là je pense pas que j'avance sans Jean. Je suis obligé de trouver un Jean. C'est pas mal en vrai, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Bon, on va roll jusqu'à Jean malheureusement, y'a que lui que je cherche mais. Oh putain, là je suis. Oh, j'ai la flemme de roll là putain. J'ai grave la flemme de roll. Oh mais j'ai tous les mes champions sauf un. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais, mais. Oh, j'ai la flemme de roll là! Ah, en même temps, si tous mes champions ratent leur spell, c'est pas ouf. Est-ce que je devrais ou pas? En vrai, ça m'arrange de perdre parce qu'on est encore en chain lose. Je pense que Shaco peut se murf hein, sinon. Parce que là, il va mourir, mais il va tuer Rumble après. Et je pense qu'il va finir Fizz. Ok. La question que je laisse, est-ce que je roll pour Jean, à votre avis? J'ai peu d'HP, mais j'ai tout level 2 en fait. Il y a un joueur de Darkstar ou pas? Je crois pas. Hein. Pour moi, il faut Jean. En vrai, il faut Jean. Oh yes putain, oh il fait du bien celui-là. Oh il fait du bien. Je positionne très mal là. Shaco 3 on le jouera pas. Donc ça c'est l'ange gardien de Jean, la QSS de Xerath, Ginzo Xerath et Darkstar H, je pense. Bon je préférais H mais j'ai Cassadin 2, je sais pas si ça va. Pourquoi il est strong comme ça? Ah, mais 4 Vanguard. Non! Oui! Mais bien sûr, Shaq, bien sûr. Ok, mais je pourrais push pour rentrer H, mais ça me coûte extrêmement cher. Mais c'est un giga gros power spike. On rentre H ou pas, à votre avis? Je suis en curve. Je pense que je rentre H et Gecko. Ouais, ok, je suis d'accord avec ça. Si on gagne, je passe à 20 gold, c'est vraiment bien. Mais là, c'est un gros power spike pour moi. Big Shaq. D'ailleurs, on va lui mettre la baguette avec Shaq. Ah, oh, la smoke de Grey est tellement chiante. Allez, Big Shaq, refais-le. Oh, là, y'a pas de faire. Allez Big Lux. Ah, allez Big H. Ah. Ok, c'était chiant. Smoke de Graze sur une. Et là il y a un Xerath. Pas du tout.
putain, je sais pas ce que je veux. Je veux bien Pistolam. Je veux bien Shroud. Bien Rédemption. Shroud en late, c'est fat. C'est déjà dans le temps, cette façon. Pistolam était bien aussi, je vois. Sans Xerath, c'est top 8. Ouais. Pourquoi est-ce que là, d'ailleurs, on a fait une mauvaise game? Parce que j'ai misé sur Jarvan. Et Jarvan, quand il n'y a pas beaucoup de frontline, ça rien. En fait, Jarvan, il est fort quand il y a genre des protecteurs et tout. C'est pas un très bon champion, sinon. C'est bien quand il a Ziz'roth aussi. Alors, j'ai joué contre qui? Sir Bobs, Bu et Destroyer. Donc, je jouais soit contre lui, soit contre lui, soit contre lui. Oh fuck, ils sont pas bien positionnés. Bon, il faut que je tape le truc ici. Je sais pas, je pense que ici c'était mieux en vrai. J'espère pas le regretter. Ah. Merde, il a quand même réussi à cast Darius. Nice. Let's go. Machala Shawn, c'était eu un date ou quoi aujourd'hui? Non, j'ai mis une petite chemise. Pourquoi? Il a dit Machala Shawn. Comme si c'était la daronne. Mon fils, tu as mis une chemise. Nice, hein? Bah, le problème, c'est que là, j'ai pas grand chose à chercher. Ouais. Et je suis en solo Darkstar, donc plus je roll et. Plus ça emmerde. Merci beaucoup, Lace V et Okami le Fou. Merci beaucoup pour le Twitch Prime. Bienvenue à vous. Oulala, encore une jolie combinaison. On va tenter le pari ici, que j'ai loupé. Ça va, ça touche. What? Son Lucian, mais... Arrête Big Shaq, non pas le dodge, pas le dodge, pas le dodge, pas le dodge sur Big Shaq. Eh bah si. Ok, ça va, Lux ça se meurt. Ah mais il est trop aussi, ouais. Level 8, 0 gold et... Bon. Ça fait chier. Non mais j'ai perdu trop en mid-game. Il y a un truc, il faut juste qu'on réexplique pourquoi est-ce que j'ai perdu en mid-game. Parce que je pensais être strong, mais j'étais pas. Et ça, c'est un gros problème. Je faisais pas de dégâts. En fait, je faisais pas de dégâts. J'avais Arc QSS. Et j'avais Leona, Poppy. Et TF. Bon, là, je dois roll down pour Jhin 2, H2. Xerath, évidemment. Je sais pas si Kassadin je pourrais pas le jouer. Peut-être qu'avec Karma 3. Je pense que je joue Karma 3 par contre. À part si vraiment j'en ai pas. Et il me faut peut-être une Lulu. Oh non, j'y ai cru. Oh merde. Bah ouais. Hein. C'est pas obvious ça. Mais il y a un autre joueur de Shaco, attends, il y a tous mes champions qui viennent level 3, sauf Xerath. Oh, let's go. Alors attends, j'ai une idée. Putain, est-ce que je fais Pistolam Xerath ou l'autre? Ouh, c'est chaud, les gars. Ok. Non, remonte l'écho. Oh là 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 là. Oh, c'était un bait de monter Lux, je pense. Mais elle est venue tellement vite. Je la vends, je pense. C'est pas elle qui va me faire gagner la game.
Après, il est quand même déjà là. Je crois qu'il y a un autre joueur de luxe en fait, lui là. C'est lui qui m'emmerde en fait. Là, je suis en train de me faire chier avec un champion. Ah, j'ai pas fait gaffe au Shroud aussi, c'est terrible. Ok, on va attendre la round. Je pense que Lux ne vaut pas la peine. Ça, c'est ma winning condition numéro 1. Et ça, c'est 2. Lux, c'est 3. Et là, j'ai 20 HP. Je peux pas faire n'importe quoi. Sachant qu'en plus, il y a un autre mec qui joue Lux. C'est raison de plus. Bon. Est-ce qu'il y a des Blitzcrank? Oui. Je sais pas, je compte qui là. Round et but. Donc là, on veut Shroud des gens ici. Oh, putain, ils sont chauds. Il m'a ping moi là. Oh, le Shroud est parfait là. Kassadin n'a pas pu. Oh là, Kassadin a rien fait du fight. Prendre Lux, ça smurf le stun. Allez Jin, je compte sur toi mon pote. Let's go les gars. Ok, là il me faut un item pour Jin. Ou Xerath 2. Oh putain, on prend que Xerath 2 item de Jin à votre avis. Xerath 2 je crois. Ouais, sans hésiter Xerath 2. En fait, prendre un item de Jin, c'est partir du principe qu'on aura Xerath. Et ça c'est pas possible, avec 20 HP. Après c'est Warmog, c'est vrai que j'ai hésité, mais c'était un bon item évidemment, mais là c'est Xerath Warmog. Attends, il a peut-être déjà des items. Ah non, il a 3 items, c'est vrai. Ah non, il a 3 items. Pas mal ça. Qu'est-ce qu'il mérite Warmog? Ça va être mort de Kaiser je pense. Au Karma elle passe 3 en vrai, Karma. Bon, il faut que je fasse un pari. Il faut que ce soit là, je pense. Nice. Mais là, je pense c'est bien sur Karma, parce que Karma va être late game clutch. C'est énorme, on a tué le Jayce avant qu'il casse. Et le Darius a focus mon Jin, qui a GA, donc free win. Non, c'est chiant ça, non? Ça, c'est chiant. Pas comme ça. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Non, Riot, c'est trop. Vous le saviez. Vous le saviez, vous le saviez, vous le saviez. Riot, vous le saviez. Vous vous moquez de moi, Riot. Non, Riot, vous le saviez, vous le saviez. C'est trop, c'est trop. Ça ne fait, ça ne fait. C'est pas free win, putain. Ah non, c'est terrible. Putain, c'était un free run là que je perds. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre le mecha, mais le mecha a 3 high-roll en vrai, ça va être chaud à le chercher. Je pense qu'il faut que je shroud ici. Hein. Le mecha, ça va être trop dur. Hein. Et en fait, un mecha qui a autant tout touché, c'est impossible. Je... C'est pas mal là, on shroud des bons trucs. Plus le disarm. J'espère que ça va suffire. Là, je dis plus rien maintenant. Easy win! Allez, let's go. Bon, à votre avis, le chat, quel est le plan? Plan 1, c'est on va chercher Karma. Parce que Jin, je pense qu'il est trop loin, en vrai. Parce que là la game est finie. J'aimerais bien passer level 9, mais je crois que la game est finie. Je pense que c'est... Bref. Non, 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 non. Alors... Vous n'avez pas vu l'item du PVE. C'est un hasard. C'est un hasard. Les choses, parfois, sont un hasard. Celle-ci tombe bien. Je pense que là, je roll down pour Karma et on espère faire un top 4 dans cette game. Je suis parti avec trop de retard. Et en fait, j'ai pas rencontré le mecha depuis genre 5 rounds et j'ai beaucoup de chance que je pense qu'il me met moins 20. Donc, on accepte, on accepte.
Parce que j'aimerais bien passer au level d'après, mais... Je pense que Karma 3 a plus d'impact que... Qu'un level d'au-dessus. Surtout quand on est one-off. Ah, Shaco, j'ai pas envie de le faire 3 du coup. Shaco, j'ai pas envie de le faire 3 du coup. Aurélion non plus. Shaco, j'ai pas envie de le faire 3. Lulu, c'est bien. Thresh, c'est bien. Je sais pas si c'est mieux, ouais. Je sais pas si Lulu est mieux qu'Asada. Ce qu'Asada met un disarme et tank. Je sais pas. Lulu castera jamais. J'aimerais beaucoup rentrer Thresh sur le level prochain, mais... Je pense que c'est une game où je dois juste faire top 4 et... Shaco, t'as archi-troll? Pourquoi j'ai archi-troll? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Karma, please. Ah, c'est le moment de mourir. Hein. Oh, il y a tellement bien de gens en plus. J'aurais tellement dû mettre là. Oh, la caisse de luxe par contre est fat. Lulu a le temps de côte-côte. Attends, je gagne contre lui là? Non. Je pense. Ah, le démo, putain, il a tout lui en vrai. Il a beaucoup, hein. Parce que là, il va démo en fait. Ah non, il peut pas démo. Putain, j'ai gagné. Énorme. Oh. Attends, j'ai gagné contre le mecha. Et comment je peux gagner contre ça? Kai'Sa 3, Kha'Zix 3, Rumble 3, Annie 3, démo, sorcier. Bon, il a pas un stuff de ouf. Bon, on va faire ça, je pense. Oh, le Shroud en pleine poire. Ça, c'est vraiment genre le rayon de pouf. C'est pour ça que je voulais faire Shroud. Regardez là. Bam. En plus, c'est trop bien dans cette combo. Après, pourquoi mon Xerath, il est là? Eh oh! Brother! Brother, what are you doing? What the fuck? Ok, là il me faut Lulu. Croc de dragon est incroyable aussi, contre Mecha et l'autre. Ange gardien est bien. Un stuff de karma, je pense que je vais croc de dragon karma. Parce que là il n'y a que des dégâts magiques presque. Sauf Shaco et encore Kha'Zix. Il n'y a que Shaco qui n'a pas de dégâts magiques, sinon tout le reste c'est magique. Et là, c'est que magique. Donc, je pense que je vais croc karma. Ou crac ormo. Est-ce que je roll encore? Bah, en vrai, là, je vais pas passer level 9, je crois. Donc, crac ormo. Est-ce qu'à votre avis, ça vaut le coup d'aller chercher une Lulu 2? Je pense que c'est Gamebreaker, mais est-ce qu'on le fait? On deny un Fizz? Crac ormo? Ouais, je pense qu'on va roll. Si on n'a pas Lulu, c'est pas grave. Si on a Lulu, c'est tant mieux. Je peux plus rien faire, la game est finie. Le mecha. I was slow. Après, la karma va pas mourir si vite, mais... Là, le GA sur le Kai'Sa est pas cool. Putain, mais je l'allume, ce mecha, en vrai. Moi qui pensais que je me pourrais. Attends, la karma est morte? Level 9, lol. Attends, alors, j'ai gagné... Comment j'ai gagné? En fait, parce que là, je pense qu'il s'est dit... Attends, je vais mettre à sa place. Il s'est dit, ça sert à rien d'aller là, mieux vaut tuer Jhin et H. Donc je pense qu'il va tout tourner. Donc, si je suis lui...
Si je suis lui, je tourne juste. En fait, juste, il va tout inverser. On va faire pareil. Je pense qu'il va mettre Kai'Sa ici. C'est sûr. C'était sûr, mon bro. C'était sûr. Après, le Shroud aurait pu être plus à gauche. Mais... C'est sûr, c'est un humain. Ça marche pas d'un côté, j'essaye de l'autre. C'était sûr. Je sais pas pourquoi mon... Parce qu'en fait, le... En fait, le Xerath, avec le shield de Karma, tank suffisamment. It's a first. En fait, c'est marrant parce que le shield de Xerath, avec Karma, tank la première vague de Kai'Sa, et Karma ne meurt pas parce qu'elle a croc de dragon. Marrant, ça.